yo les gens, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une petite game. On va tout simplement atterrir tranquillou et on va tout simplement jouer au mode gros explosif. Donc on est en 1 contre squad, donc on est contre des équipes de 4. Et on va essayer de laver le cul de cette putain de map tranquillement, donc atterrissons au niveau du centre. Et j'espère en tout cas que vous allez bien, on est parti pour la game. Nice, il y a plein de gens, cool, let's go, let's go, let's go. Atterrissons je pense plein centre, à mon avis, je pense que ça doit pouvoir passer tranquillou. On va prendre une arme parce que sinon c'est un peu la merde pour me défendre. Ok, cool, parfait ça. Ok, on est archi bien. Donc là, on est en contre squad, mais ça peut aller très vite. Alors là, le mec est en train de me piquer mon coffre. Merci à toi. Hop là. Il m'a volé mon coffre sans vergogne, le mec. Il s'en battait les couilles. Ok, on a 4 lance-grenades, tant mieux. Lance-roquette, pardon. Oula, il y a un lance-roquette téléguidé. Il y a un lance-roquette téléguidé. Qu'on prenne la hauteur, les gars. Attends, le son, c'est dawa, gros. Alors ouvrons l'œil parce qu'il y a les missiles téléguidés aussi. Donc, les missiles téléguidés qui peuvent nous surprendre. Ok, je le vois. Oh, nice. Ok, il y en a encore un autre là-bas. C'est le bordel. Oh merde, il y a un explosif qui m'a touché là. Pas dur. Ok, mettons ça les deux et essayons de se barrer. Il y a un tir qui veut clairement me tuer. T'es en fin de course, et oui. Il y a le coffre, espérons qu'on a un peu d'huile. On monte à 125. Puis on peut se faire one shot. Dommage, on pourra pas. Donc on est en position de one shot. Donc là, on peut se faire OS à tout moment. Ah. Stuck par l'arme, énorme. Salut. C'était stylé ça. Voyons voir. Ok, nice. Je suis assez content du move quand même, c'était stylé. Comment il est derrière ça? Putain, j'ai rien gros. Putain, j'ai vraiment de la merde comme stuff par contre. C'est casse-couille. Non, je les ai tués tous les deux, mais je suis mort en tombant. Putain, dommage, c'était cool. Dommage, du coup, rego, hein. En vrai, c'était stylé, putain, j'ai kiffé. On refait une game direct. Juste avant de passer sur la deuxième partie de la vidéo, les gars, je voulais vous présenter une application Amino. Amino qui a choisi de sponsoriser la vidéo. Merci beaucoup à eux. Grosso modo, c'est une sorte de forum, en gros, dans lequel vous allez pouvoir choisir, en gros, des thèmes, en gros, des points communs avec des personnes. Donc là, imaginons, vous, ce qui vous kiffe, c'est le yoga ou geek otaku, etc. En gros, il y a beaucoup de trucs sur tout ce qui est jap, tout ce qui est comique, etc. Vous avez également surtout une. Enfin. En tout cas pour ma part, un forum Fortnite. Donc par exemple, vous pouvez rejoindre le forum Fortnite et dedans, vous allez pouvoir voir en gros toutes les actus, tout ce qui est tout ce qui vient d'arriver. Donc vous allez voir en gros bah voilà le nouveau mode, les distributeurs, les lamas. Vous avez aussi une partie sur les sondages, etc. Donc bref, vous avez pas mal de choses. Et en grosso modo, c'est un truc un peu communautaire. Et donc il y a plein d'autres choses. Donc que ce soit en gros Fortnite ou même des trucs un peu plus manga, etc. Donc vous allez peut-être pouvoir trouver des gens qui partagent un peu vos passions. Et je trouve ça plutôt cool. Donc le concept est sympa. À vous de voir. Donc si jamais vous vous ennuyez, vous avez envie de télécharger, je vous mettrai en description. Portez bien et enjoy la suite de la vidéo les gars. Ciao. Bon allez du coup les amis, deuxième game, on est parti. Donc j'ai un peu troll avec les répulsives, je voulais avoir du fun et faire du beau jeu. On est parti pour une game un peu plus tryhard, on va jouer évidemment au Rocket et on va essayer de laver toute la carte et pourquoi pas gagner. Donc dernière game, on va essayer d'être chaud et de montrer un maximum de swag. Oui, on va avoir des grenades, un lance-roquette téléguidé en plein centre, on peut s'y diriger. Il y a un mec qui est en train de le vouloir mais il l'aura pas. Waouh. Bizarre ce que ça a fait comme forme. Un premier kill, cool. Après, je suis à poil, j'ai pas de shield, j'ai rien. Ouais, j'ai du shield, c'est cool. C'est notre game, les potes, c'est notre game. Allez, on va le faire depuis le centre. Hop. Est-ce qu'on peut trouver un joueur ici? J'arrive pas à savoir où il est exactement. J'arrive pas à savoir où il est. Oula, c'est ma dernière roquette. Ok, cool. Je vois plus du tout d'activité ici. Oh là là, il a plus d'HP, il est pas mort. Il va me tirer dessus en plus ce bâtard. Ah, je crois qu'ils se sont entretués. Ouais, ils se sont entretués, ils se sont tués les deux. Bon, ils m'ont double KS, j'ai touché les deux, ils ont eu les deux kills quoi. Enfin, ils ont eu les deux kills, il est mort et il l'a tué quoi. Je vois pas d'adversaire. Oh la chatte. Oh, encore un mec touché mais qui meurt pas.
fait 100 et quelques dégâts, les gars. C'est comme une roquette normale. Dernière roquette, pour le moment, du moins. On va voir si on trouve quelqu'un. On se coûte avec, tranquillou. Alright. Ok, prenons les armes, les gars. Ça, j'ai bien envie de le mettre décalé de ouf. Ça, ça dégage. Okay, on a un mec qui joue multi-roquette. Il n'y a plus beaucoup de cacophonie, là. Donc, du coup, il va clairement entendre que c'est pour lui. Je l'ai pas vu. J'arrive. Ah non. Okay, fatal. Je pense que c'est le bon joueur qui est venu fatal en plus. Vous voyez qu'il savait jouer. Hop là. Ah, plus encore. Wow. Ah, j'ai zéro structure. Ah, d'accord. Dommage. Je peux pas arrêter avec la hauteur, c'est dommage. Ils sont un peu haut. Ah non. J'aurais voulu retake, mais c'est toujours galère à retake dans la situation. Ah, dommage. Il est mort. Oh non. Oh, j'ai plus de wall, putain. Putain, c'est con, j'ai bien wallé, mais j'en ai plus. Ok, on y arrive. Voyons voir. C'est hyper. Ah, t'aligne pas trop, toi. Mais il s'est encore tué. Il alignait comme un porc de pouvoir fight alors qu'il était en contrebas. C'est super dangereux, là. On est loin ou pas? On est effectivement très loin. Alors, 999 de tout. Ça, c'est cool. Ok, on va monter les hangars tout en haut, tranquillement. Et là, on va faire un triple stairs pour monter très haut. Hériter avec le centre. Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette joyeuse partie. On y est presque, les gars, on y est presque. Sur nos taquets, là, du coup, sur les walls. Si on wall bien, on devrait pas avoir trop de problèmes. Après, faire attention, c'est que c'est pas facile de waller un mec qui joue bien, parce qu'il va tirer 3 ou 4 roquettes comme moi. Hein. On va bourriner sévère, normal. Tant de passer à travers la structure de l'adversaire. Ah, il a pris les armes, l'enculé. Il va avoir l'autre drop. Okay, safe, hein, tranquille. Ah, je sais pas si c'est que ça. C'est vrai qu'il peut avoir plusieurs roquettes avec l'un dans l'autre. Dead die. Merde. Pas du tout que je voulais faire, sa mère. J'ai pas envie de ligne pour autant. On va avoir un nouveau client qui va se suicider. Je l'ai tué ou pas, ouais. Est-ce que je l'ai tué avec le suicide ou pas? Il y a un mec qui s'est suicidé, mais je sais pas si c'est lui. Ça pourrait, hein. Ah, je me shield parce que j'ai pas de shield. Peut-être que je l'ai tué avec mon wall, hein. J'ai volé devant lui pendant qu'il essayait de tirer. Il y a moyen que ça l'ait tué. Alors, j'arrive pas à savoir. Oui, on va. Salut mon pote. Une bonne hauteur naturelle, comme on les aime. Marrant comme fin quand même. Alors, on récupère les jumpers. On va pouvoir faire des trucs marrants avec, je pense. Pas aussi que j'aurais plus de shield, je sais pas si ça vaut le coup. Mystique déguidé, je pense que je vais pas le jouer. Ou alors on peut faire un truc vite fait avec le mystique déguidé en attendant et après on l'enlève. Bon allez, ça me fait chier, mais vas-y, je vais garder que 2 roquettes. Je préfère en avoir 3 en vrai. C'est beaucoup plus dur à défendre 3 roquettes. Mais vas-y, j'ai envie de vous montrer un truc un peu sympa. Ah, oh, je me suis encore fait KS, putain, casse les couilles.
je pas à voir où il est. Oula. La joueur qui a voulu me backstab. Oh, ça bug. Oh non, j'ai le bug de structure. Oh, j'ai le bug de structure. Putain, je l'avais tellement brain, j'allais modifier et réinitialiser ma structure, mais évidemment, ça a bugué comme d'hab. Bon, je me suis bien couillé par le bug de structure, mais on va faire avec. Oh, j'ai cru qu'il allait encore me le caisse, quoi. Hop là, on tire deux missiles en même temps, du coup. Ah, je les ai ratés, par contre. Ah, ok, bon, il veut all-in. J'ai touché une fois. Est-ce qu'on le tuerait pas avec un petit jumper? J'ai peur qu'il meure avant sinon. Faut qu'il s'avance, parce que là je peux pas jump sur lui. Je voulais faire un jump, mais si je faisais un jump de tout en haut, je serais mort, donc j'avais pas envie de le laisser gagner. Bien joué! Je savais de toute façon qu'en gros, il pouvait pas m'OS. Il avait pas le temps de se heal, donc il mourrait en une roquette. En gros, si je tirais une roquette de dessus, il était mort. Donc c'était cool, on a fait du beau jeu dans les games. J'aurais voulu finir par un petit jump roquette comme on avait fait tout à l'heure. Début de vidéo, si vous avez regardé, c'était stylé. J'aurais voulu faire la même, là je pouvais pas parce que je serais mort peut-être en tombant, donc ouais, j'avais pas envie de gâcher la game. Bref, merci d'avoir suivi les gars, c'était cool, et voilà, donc la technique de la roquette c'était en gros de tirer loin la roquette et de la ramener, et du coup on en tire une plus près, et en gros les deux tapent en synchronisé. Bref, merci d'avoir suivi, c'était Sky, à bientôt, ciao.